Voilà, match 2-0, match en retard, bonne chose pour vous. Il vous reste quelques chances à rattraper les trois premiers, ça peut. Oui, alors ouais, si on se place dans l'optique des trois premiers, effectivement, je pense qu'avec ces deux victoires consécutives à l'extérieur, on s'est relancé effectivement. Maintenant, bon, on a pris beaucoup de retard, surtout par rapport à la première place. Maintenant, c'est sûr que nous, on va essayer d'aller à Martigues pour leur passer devant, puisque au classement, on était en taille à taille. Donc, c'est vrai que ces deux victoires consécutives nous relancent dans la course au moins pour la deuxième place. Un premier but très très bien tiré sur un coup franc. Oui, alors on savait que la clé avec le terrain et les conditions de jeu avec un vent violent, vu le profil de l'adversaire et que les coups de pied arrêtés seraient déterminants. Bah, pour aujourd'hui, ça nous a souri. Ah, oui. C'est le premier coup franc direct que l'on marque depuis 2 ans que j'entends l'équipe, donc c'est vrai que on a eu la réussite aujourd'hui. Un deuxième but juste un peu avant la fin de la première. Oui, on a marqué au bon moment. On n'a pas encaissé de but sur des moments forts de l'adversaire, ça nous a souri. Voilà, et puis une équipe en face qui en a voulu quand même jusqu'à la fin quand même. Ah oui, non, vous savez, on avait gagné chez nous 2-1 dans la difficulté au match aller. On savait que ça serait très difficile. Je pense que c'est une équipe qui a manque de réussite offensif et qui n'est pas classée là où elle devrait être. Elle devrait être au milieu du tableau si elle avait un peu plus de réussite offensive. Mais bon, on sait que c'est le plus dur la réussite offensive. Voilà, donc vous pensez qu'ils vont arriver à s'en sortir aussi quand même. Je pense que c'est une équipe qui devrait s'en sortir, mais il y a quand même un championnat qui est très difficile. Les équipes du CFA 2 de notre ligue sont mal en point. Donc dans un championnat avec 4 voire 5 descentes, ce sera difficile pour tout le monde. Merci. Je vous en prie.